Je m'appelle Olivier de Couzon. Je suis pilote maritime sur la Nouvelle-Calédonie. J'ai 59 ans et je suis marié. Mon voilier, c'est donc un Sunfast 3200. Donc là, en l'occurrence, pour la Groupe AMA, ça sera le plus petit bateau de la flotte. Il fait un peu moins de 10 mètres. Donc c'est un bateau qui est assez simple d'utilisation, en simple ou en double. Et c'est la raison pour laquelle on part à 4. L'équipage, on sera 4 à bord. Et la force de cet équipage, je pense que c'est la complémentarité et le fait que chacun puisse tout faire. C'est-à-dire qu'on n'a pas de poste dédié. Chacun va barrer, chacun va être numéro 1. On a tous envie de se battre pour une belle place. Ouais, alors j'étais capitaine sur le Club Med 1, le Club Med 2, des gros paquebots de croisière à la voile. Et maintenant, je me retrouve entre skipper ou capitaine du plus petit voilier de la flotte. Évidemment, ça n'a rien à voir, mais il y a quand même quelques points communs. Les points communs, c'est l'amour de la mer, l'amour du bateau, une aventure humaine quand même, malgré tout, parce que ça reste une aventure. Quatre sur un petit bateau comme ça, il faut que tout se passe bien, il faut gérer, voilà, ça fait partie du plaisir une fois l'arrivée. Alors le plaisir, c'est complètement différent. Je veux dire, le plaisir sur un gros paquebot, ça va être le plaisir d'une belle manœuvre. Moi, je me souviens, je faisais des manœuvres à la voile avec le Club Med, c'était extraordinaire. On chantait tous les ordinateurs et on faisait tout en manuel. Bon, là, nous, notre plaisir, ça va être d'aller le plus vite possible. Et puis bon, c'est une régate, là, c'est quand même différent. Je veux dire, c'est un sprint de 5 jours. Il faut qu'on soit à fond pendant 5 jours. On se bagarre en temps compensé. Ça veut dire que on est derrière, mais par le biais du rating, on peut se retrouver quand même devant. Mais ça, on ne peut pas calculer sans arrêt. Donc il faut être à fond tout le temps, pas se poser de questions. Et c'est ça le plus important. Donc dans la journée, on va à fond et on accélère.